Un jour par semaine, ce paquebot de croisière jette l'ancre près des îles sanguinaires. Le Lyrial, ce n'est pas un géant des mers, mais il fait quand même 142 mètres de long. C'est le premier été que la compagnie Le Ponant commercialise des croisières en dehors des ports de Corse. De juillet à octobre, le Lyrial met le cap sur des sites exceptionnels, Rocapina, Balistre, à Santa Manza. Et ce n'est pas sans inquiéter les gestionnaires du parc marin des Bouches de Bonifacio. Ils n'ont pas été consultés, même pas pour les beaches, c'est-à-dire les moments où les zodiacs du Lyrial accostent sur les plages. Cette année, on sait que le Ponant va venir dans le golfe de Santa Manza. Et il y a peut-être des zones, et on espère qu'il va avoir les autorisations d'ancrer au-delà de 40 mètres. Parce qu'on est aujourd'hui vraiment sur une logique qui est de démontrer, mais ça on l'a déjà fait depuis un moment, les impacts très forts de ces gros bateaux. Et ce n'est pas simplement les bateaux de 150 mètres, c'est les bateaux d'une longueur supérieure à 24 mètres qui sont quand même capables de faire des destructions importantes des herbiers. D'ici 4 ans, le préfet maritime entend prendre un arrêté pour interdire le mouillage des embarcations de plus de 24 mètres de long. Seule obligation pour l'instant, et ce depuis que ces images ont été tournées à Santa Manza en 2016, les navires de commerce doivent demander au phare de Pertuzat l'autorisation avant de mouiller. C'est ce que fait le Lyrial. Nous avons convenu avec l'Office de l'environnement de la Corse la mise en place de coffres dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, qui seraient gérés de préférence par la puissance publique, mais qui permettraient ensuite là de gérer correctement, d'interdire là où il n'y a pas de coffre et de générer de l'économie. Et c'est cela l'écologie telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire l'inverse d'une écologie punitive, c'est une écologie vertueuse. Les coffres, c'est pour plus tard. Au-delà des aspects environnementaux, ces escales interrogent. Quel avenir pour les croisières? La Chambre de commerce a investi une vingtaine de millions rien que pour l'accueil des paquebots à Ajaccio. Le môle est désert cet été. Le Lyrial au mouillage ou d'autres compagnies comme celle du Ponant, ce n'est pas notre modèle de développement des croisières, hein, puisque nous gérons des postes d'amarrage, des quais, des ports. Mais ça lui aurait coûté au Lyrial de venir ici. C'est quelque chose qui doit tourner aux alentours de 2-3 000 euros. Pour vous, c'est une grosse perte? C'est pas une question de perte financière, c'est qu'en fait, ça génère une économie induite. Excursion, shopping en ville, rien de tout cela avec ces étapes qui se veulent sauvages. Contactée, la compagnie n'a pas voulu nous répondre. En juin, dans l'île de Ré, elle a annulé les mouillages prévus ici au large du site Natura 2000 du banc des Bûcherons pour protéger les dunes et les oiseaux à la demande des élus locaux. En Corse, le destin de ces algues qui poussent entre 0 et 40 mètres sous mer devra attendre l'arrêté préfectoral de 2024.